Bonjour à tous. Alors aujourd'hui à Toulouse il fait tout gris, tout moche, mais le facteur vient d'illuminer ma journée en m'apportant cette petite chose que nous allons ouvrir ensemble. Alors c'est un oracle que j'ai commandé il y a à peu près 15 jours. Il est emballé dans un papier bulle et c'est The Messenger Cards. Il y a un petit livret qui va avec. Alors je ne savais pas qu'il y avait un petit livret qui allait avec, donc c'est la surprise. Je pensais qu'il y avait juste une petite note avec. Vous avez ici la photo de l'artiste. C'est un petit livre qui doit faire un format A6. Hein. C'est A4, donc c'est un format A6, un petit format A6. Donc voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Une note de bienvenue, comment utiliser les cartes. Et ensuite, voilà, donc il y a ici une petite note de bienvenue. Donc une petite introduction. Ici, comment utiliser les cartes. Et on passe directement après aux différentes cartes. Voilà. Nous créationnons le papillon, butterfly. Alors ce sont des animaux qui sont sur cet oracle. Et je vais vous montrer tout de suite. Alors moi j'ai profité du fait qu'elle mettait en vente des jeux qui avaient eu un petit problème. Donc elle les vendait un petit peu moins cher. J'ai cru comprendre que c'est parce qu'il y avait un atelier qui se faisait aux États-Unis et que le jeu était en rupture de stock, donc elle avait mis en vente les jeux qu'elle ne pensait pas vendre à la base et qu'elle a quand même mis en vente pour ce fameux atelier. Donc il doit en rester encore, donc des jeux comme ceux-là qui ont un léger petit problème. Là je vois, ça c'est le dos des cartes. Et je vois que là, il y a une mauvaise découpe. Bon, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est quelque chose que je peux tout à fait rectifier, moi, avec un cutter, un ciseau ou autre chose. Donc, si c'est que ça, c'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà, ce sont des peintures. Les cartes sont quand même grandes. Elles sont épaisses. Enfin, très sympa. J'aime beaucoup le vernis satiné ou brillant. C'est peut-être même du brillant. Je les regarde en même temps que vous sur l'écran sur l'écran de l'appareil photo. Elle est super belle, j'adore les couleurs. J'ai vu une review de ce jeu à 11h du soir alors que je regardais autre chose. J'avais une petite vignette sur YouTube qui me montrait la review de ce jeu-là. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et quand j'ai vu les peintures, ça m'a... Elles m'ont tout de suite parlé, j'ai trouvé ça magnifique, la façon dont c'était traité. J'aime beaucoup quand il y a des différences de texture, les œuvres qui ont des différences de texture, ou les artistes qui travaillent vraiment en pâte avec leur acrylique. Donc j'adore quoi. Je trouve ça magnifique. Celle-là, on ne voit pas beaucoup. Ah si, c'est un buffle. Ah, j'ai le... Voilà. Il y a beaucoup en... Alors ça c'est une carte, mais c'est également le dos. Vous voyez? C'est l'illustration qui a été reprise pour le dos des cartes. Il y a énormément d'oiseaux dans ce jeu, à ce que je vois.
oiseaux, libellules. J'ai vu passer beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai vu? Alors c'est surtout des corbeaux. Corbeaux, libellules. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Oui, corbeaux, libellules et papillons. Beaucoup de corbeaux, libellules et papillons. Ah, celle-là, je la trouve super jolie aussi. Il faudra que je les regarde, hein, parce que je les regarde en même temps que vous sur l'écran, et l'écran est quand même... Enfin, pour moi, est assez petit. Donc, je les vois pas toutes bien en détail. Voilà, donc on a fait le tour. Il y a combien de cartes? Elles sont numérotées, donc il suffit que je prenne la dernière. Donc il y a 43 cartes. Je savais qu'il y en avait entre 30 et 40. C'était 43 cartes. Voilà, je me disais, ça fait quand même un bon paquet de cartes. Super. Super, vraiment, je suis complètement conquise. J'aime énormément tous les jeux qui ont des animaux, des représentations d'animaux. Et celui-là, la façon dont ils sont traités, les cartes... J'ai des petites mains pourtant, et là j'arrive à bien les prendre. Donc ça va pas être compliqué pour moi de les battre. Alors que certains jeux, ça devient très compliqué pour moi de les battre. Ça glisse, elle glisse très très bien. Ouais, je suis vraiment un beau travail d'artiste. Voilà, donc je regarderai un petit peu plus en détail. Il me semble que ce sont des cartes qui ont pour vocation de guérir. Donc je regarderai un petit peu plus en détail le livre et je vous ferai une review un petit peu plus complète sur ce jeu là. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et sans doute une review pour ce jeu là. Voilà, salut !